bless us here. Thank you, Papa. Nous, on peut revenir si les aveux 4 fois, 5 fois, 6 fois pour voir la sincérité de la personne. Ça, c'est important pour nous. Pour voir si elle est sincère, tout ça, parce qu'il peut mentir. On les peut mentir, on revient plus fois sur ça, et au fur et à mesure. Après les aveux, il y a l'aspect chasser les démons. Nous chassons les démons de la sorcellerie et puis nous faisons prêter serment à la personne. Oui, allons-y. J'étais initié par ma grand-mère. C'est elle qui m'a initié au village. Quand j'étais encore petite, je suis partie au village, elle m'a amené au village. Maintenant, il y a eu un problème, elle m'a pas pu m'amener. Maintenant, on a fait un autre village, et puis on est revenu. Maintenant, quand on est revenu, maintenant, au fur et à mesure, ma grand-mère, elle est venue me chercher la nuit en tant que cadre. Maintenant, au fur et à mesure, elle a commencé à m'entraîner à tuer les gens sur le bord. C'est ce qui était mon droit, à tuer les gens sur le bord. Sur la première mesure, quand j'ai commencé à grandir au fur et à mesure, maintenant la première personne, j'ai donné mon neveu, l'enfant de ma cousine, j'ai donné, on a fait pâté, on a mangé tout. Après, on m'a demandé encore de donner mon frère. On a pâté, on fait pâté. Non, pâté de bœuf. J'ai donné mon frère. Volaille. Je suis née après les jumeaux. Il m'appelle la mamie. Je ne t'ai pas demandé ça. Et j'ai donné mon frère, les jumeaux. Maintenant, le second, lui, il fréquentait à Djamé. Donc, c'est dans 5 jours la nuit, quand il y a 5 heures du matin. Un jour la nuit, je l'ai appelé par derrière mon frère. J'ai mangé le tronc. C'est le tronc que j'ai mangé ici. Le même jour, là, j'ai mangé le tronc. Déjà, il y a tout là, une maladie, il y a tout là. Tu as mangé, laisse appeler la maladie. Maintenant, après, au fur et à mesure, j'ai donné le grand frère de mon papa, le deuxième. Je l'ai donné, NS. Lui, je l'ai donné, mais après ça encore, ils m'ont demandé encore, la même année, ils m'ont demandé, ma petite soeur, grâce, ils m'ont demandé à ce moment-là, il était encore bébé, j'ai dit non, ça, je ne vais pas donner ma petite soeur, j'ai refusé. Et, pourquoi nous distraire? Sorcier, c'est jamais refusé. J'ai donné ma petite soeur. Pourquoi nous distraire? Vous dites, toi, tu es gentil, il y a des choses où tu laisses. Sorcier, il refuse jamais. Ok, allons-y. Après ça, maintenant, et maman était enceinte encore, et puis moi, j'ai demandé de donner le bébé. Donc, c'est dans cette maison transférée en oiseau qui prend les poussins, là. Et j'ai pris l'enfant, en tout cas, une fois que le bébé, on a fait tout là. Comment c'est ta spécialité? C'est omelette, on a pu faire là-bas. Omelette, comment? Et le bébé, il ne peut pas encore comme lui. Tu viens d'acheter ou bien omelette? C'est haché ou un familier? Haché. C'est haché. Ok, allons-y. Donc, on a fini de faire cela. Maintenant, ça après, encore, me demander ma petite soeur. L'autre dernière, me demander. C'est là, j'ai réfléchi jusqu'à me dire ce qu'on voulait plus donner. Elle est membre de ma famille. Maintenant, j'ai visé mon oncle qui travaille à la Solibra. Maintenant après j'ai laissé, maintenant j'ai pris son grand frère Honoré. Lui aussi il était bien placé, mais puis après on a gâté son travail. On a donné maladie au fur et à mesure, il était malade jusqu'à pour finir. Le gars de celui-là, je vais aller la voiture pendant celui-là. Là c'est après ça, là c'est 2014. Maintenant son frère, là, lui c'était en 2006. Lui on l'a pris, mais après on a pris sa maman, on va ajouter la voiture. Maintenant qu'on a pris sa maman, et après on voit l'année, puis chacun a donné pour lui. Maintenant c'est à mon tour de faire le donner. Donc je devais prendre une de mes tantes. Une de mes tantes. Mais après j'ai laissé ma tante, j'ai pris mon nom qui est ici, à la Solibra. C'est lui qui est à la Solibra, c'est lui. Il partait au travail le matin, bon, mais à 6h, j'ai fait renverser tout là. Et même le camion, j'ai fait tomber ça sur sa tête depuis le mois. Il est mort. Maintenant on l'a enterré. Mais après ça encore, ils m'ont demandé encore de donner mon neveu. Mon neveu, la dernière fois, mon neveu qui était ici, mon neveu, avec ma petite soeur, elle, je l'ai déjà fait. Maintenant, après, c'est pas pour laquelle j'ai pris la dernière fois. Non, c'est pas pour ta petite soeur, j'ai pris la dernière fois. C'est ça qui m'a fait. C'est grande soeur. Après, ça, c'est ça, ma soeur, qui a fait. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas être délivré. Et toi, tu viens de la salle d'eau, non? Tu vas être délivré. Pourquoi tu vas être délivré?
Tu dois savoir tout ça, pourquoi tu fais pâté, tu fais hacher les gens, toi tu as des spécialités, pourquoi tu veux être délivré? J'ai vu que je faisais tellement du mal juste un petit peu là, j'ai vu tu as me contrôlé, parce que j'ai décidé de venir avec ma chose. C'est elle qui t'a envoyé ou est-ce toi qui as décidé de venir? C'est elle qui a décidé. Ah, donc on m'a dit. Oui. Puisque c'est elle qui a décidé qu'on vienne ici, mais là, elle a mis tout ça. Moi, c'est comme ça que j'ai décidé de venir. Non, je n'ai pas compris. C'est elle qui t'a envoyé ici. Oui, pour. De quoi? De la soucis. Tu veux te laisser? Je veux laisser. Là-bas, il y a viande, hein? Viande là-bas, là, c'est doux. Tu fais pâté tout seul. C'est votre maman? Laquelle? C'est votre maman. C'est vous qui êtes venu avec elle? Oui. Maintenant, on pose beaucoup de questions, hein? Voilà, si on délivre vos parents, on va poser trop de questions d'abord, on va attaquer le sujet. Je vois sa tête, ni homme, ni un esprit de dragon. Oui, qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi tu faisais ça sur lui? Tu faisais ça pourquoi? Tu l'aimais à l'église? Si, j'ai pas fait à l'église parce que non, non, laisse ça faire l'église. On n'en plus dans les détails. Pas parce qu'Assemblée de Dieu, Dieu n'est pas là-bas. Si Dieu est là-bas, c'est elle qui fait sa sorcellerie. Voilà, elle fait sa sorcellerie. Comment? Sortez. Esprit de sorcellerie. Elle est en train de m'appliquer. Elle va te montrer. Elle va te faire pâté. Tu n'es pas dit, marie femme. Tu n'es pas délivré, tu es mort. Au nom de Jésus, le feu consume tes œuvres dans ce corps. Le feu consume tes œuvres. Lâche-la. 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 Le feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Sorcellerie. Lâche-la. Feu. Allez! Allez! Lâche-la! Lâche-la! Oui, lâche-la! 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 Allez! 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 Oh, si elle finit de parler, c'est vrai qu'elle a fait des aveux. Qu'elle n'est pas délivrée de ce démon, elle demeure encore sorcière. Malgré les aveux. C'est cela que nous, l'étape des aveux est très importante. Parce que quand les gens parlent, ils disent qu'ils parlent, ils ont fait ça, l'aveu public, ça brise un pacte. Or, la sorcellerie, c'est une société secrète. Ce qu'ils font, on ne doit pas dire ça publiquement. Or, quand ils avouent ça publiquement, ça brise le pacte. Donc, ça permet à l'esprit de partir librement. Or, si le démon n'est pas sorti du corps, elle demeure encore sorcière. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des camps de prière, camps de prière. Ils parlent seulement partout, mais ils ne sont pas délivrés. Ou même quand ils viennent de parler, on dit non, il faut délivrer ton propre sorcier. Non, il ne faut pas délivrer ton propre sorcier. Amen. L'homme de Dieu qui doit chasser le démon. Or, si vous passez quelque part, que le sorcier a parlé, que le démon n'est pas parti, il n'est pas délivré. Sors! Va. Tu vas partir. Tu vas pas? Tu vas partir. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on t'a fermé Jésus? Bien. Bien. Lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand tu fais pâté, tu fais bien lâcher de l'homme, tout ça. Le soir, tu as prêté serment. Si on ne faisait pas cette action, c'est-à-dire que le démon ne sortait pas du corps, elle n'était pas encore délivrée.
Parce que les aveux ne délient pas un sorcier. Il faut parler. Souvent, les gens vous disent aux gens, il faut parler à la maison, il n'a qu'à parler. Mais oui, s'il parle, mais est-ce que tu peux chasser le démon? Parce que si vous voyez quelqu'un qui est en train de pratiquer la délivrance, c'est vrai, ça c'est une étape importante. Fais parler un sorcier, fais les aveux, parle. Et que le sorcier, le démon, ne se manifeste pas, qu'il ne quitte pas le corps, le sorcier n'est pas délivré. Ou d'autres, mais ils font parler à un sorcier, quand il me touche le sorcier, il dit, bon, c'est fini de délivrer. Non, non, non. Le démon doit se manifester. Vous savez que j'ai appris qu'on fait pâté pour l'homme, chère humaine. Hein? Nous, on connaît pâté de bœuf, volaille. Oh, pour chère de l'homme, là, il y a pâté. Tout ton nom? C'est Kwasi Amani Janet. Oui, tu peux nous rendre ton témoignage? J'étais sorcière. C'est ma grand-mère qui m'a initiée. C'est ma grand-mère qui m'a initiée. Donc depuis ce jour-là, j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie. J'ai commencé à tuer. Elle m'a appris à tuer son moment. J'ai tué, mais à la première personne, j'ai donné mon neveu. Tu as tué combien? J'ai tué 50. Ouais. Et tu as détruit la vie des gens. J'ai détruit la vie de ma grande soeur. La vie de ma grande soeur, la première, ma petite soeur. Mais j'ai détruit aussi la vie de la grande soeur de ma maman. Et toi, tu jouais quel rôle là-bas? Là-bas, je tue. Tout simplement pour tuer seulement. Et tu es convaincu que tu es délivré? Je suis convaincu. La délivrance a eu hier, n'est-ce pas? Oui. Les démons sont sortis de son corps. Elle aura tout à l'heure l'occasion de prêter ses mains, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous quel âge vous avez donné la sorcellerie? C'est pour le 4 ans. Maintenant, tu as quel âge? 30 ans. Donc, elle a eu 26 ans de pratique de sorcellerie, c'est ça? Ici, maintenant, elle doit avoir. Elle a eu 26 ans de pratique de sorcellerie. Et en moins de 30 minutes, elle a été délivrée de l'esprit de la sorcellerie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Laisse sa main. Il y a pas besoin qu'il. J'ai parlé à sa main, ça va s'arrêter sur lui. Lâche-le. Lâche-le. Couche-toi! Allez! Mets-toi à genoux! 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 Commande! Allez! À genoux! C'est qui ça? En genoux. C'est qui ça? En genoux. C'est qui ça? Mets-toi en genoux. C'est qui ça? Tu vas reconnaître la puissance et la souveraineté de Jésus. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Va fermer ta bouche. Mets-toi en genoux. Mets-toi en genoux. Oui, mets-toi en genoux. Lève-toi et mets-toi en genoux. Lève-toi et mets-toi en genoux. Lève-toi et mets-toi en genoux. Mets-toi en genoux. Lève-toi. Allez. Tu vas quitter ce corps. Ferme ta bouche maintenant. Quitte ce corps. Va. Va. J'étais tellement content de le revoir. Amen. Pour ceux que... Qui le reconnaît? Arrivé de l'Angola. Il était malade. Il avait une dépression. Pour du folie, pour nous, on dit qu'il était fou. Vous, c'est une dépression. Azaroko, on ne connaît pas ça. Donc, français, là, c'est folie. Allons-y.
il avait une dépression. Et il est arrivé ici avec nous. Il a fait plus de 2 mois ici. Et aujourd'hui, je suis revenu avec lui. Parce qu'on est allé, la maladie a disparu, il a même été à l'école. Et il va en grâce supérieure. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Est-ce que vous avez bien saisi le témoignage? Il a été délivré, il est reparti à l'école, il place en classe supérieure. Avec une faute, avec une moyenne, non? Une faute moyenne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous avons encore sa vidéo ici. Il n'arrivait pas à dormir, c'est ça? Monsieur, allons-y. Oui. Donne-nous ton témoignage, s'il te plaît. En fait, là-bas. Là-bas, c'est où? En Angola. En Angola. Et c'est quand je suis comme un et m'avait dit que j'étais délivré. Moi j'ai vu ça trop simple. Mais pas fini, de jour en jour, ça diminuait, jusqu'à ce que je ne veux pas et je reviens, je ne vois plus, je ne vois plus. On acclame Jésus, je ne vois plus. Est-ce qu'on acclame Jésus? Moi tu es réparti à l'école. Tu es réparti à l'école? Oui, je suis réparti. Oui, allons-y. Et je vais être des bonnes notes. Vous avez dit. Bon, j'ai eu 17 en maths, au total 5 de moins. En maths, en anglais, j'ai eu 17. Et le total, on dirait quoi, 14 de moins. 14 de moins. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a quelqu'un, Jésus est puissant. Il y a quelqu'un, Jésus est puissant. Laisse sa main, laisse sa main. Il y a un bidon qui. J'ai parlé à sa main, ça va s'arrêter. Hein? C'est où ça? Elle est venue avec qui? Elle vient de Yoruba. Hein? C'est sa maman. C'est sa maman. Tu es un dragon? Il est où? Il est dans l'enfant. Hein? Il est dans l'enfant. C'est vrai où ça? L'enfant. Tu fais quoi le temps de dragon? Mais tu tentes de l'appeler, tu suis pourquoi? 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 Hein? Tu te tentes de l'appeler ici. Ah! Feu! 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 Après, elle est en train d'appeler dragon. Feu! Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres. Au nom de Jésus. Quand vous rentrez, si vous êtes protégé par la puissance de Dieu, je vous protège. Voilà. Ils vont vous faire partir, aller à l'air partout. Ils n'auront jamais accès ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Au nom de Jésus. Lâche-la. Elle est un dragon. Elle prend le sang, elle nourrit avec le sang de l'homme. Le dragon a fait bien manger. Maman est venue au camp ici. Elle est... Maman, le dragon a fait des jus, il ne mange pas. Là, il est en train de parler, en train de communiquer avec l'esprit du dragon. Oui. Vous me regardez, vous avez ça aussi. C'est le travail le plus difficile sur la terre ici. Aller attaquer sorcellerie, c'est difficile. D'autres me regardent si le prophète va vivre longtemps. Il a vu longtemps, 4 ans. Ça aussi vit longtemps. Dieu là, il ne réfléchit pas. Il a réfléchi à demain avant de me donner le pouvoir. Est-ce que si je donne, il va vivre longtemps ou pas? Il a réfléchi à ça avant de me donner le pouvoir. Il sait qu'il vit longtemps. Moi-même, je viens m'attraper sorcier. Je suis content que sorcier délivre. Quand sorcier délivre d'une famille, il ne mange plus, c'est bon. Les gens vivent librement. Or, quand il y a des sorciers dans une famille, vous n'avez jamais connu la paix. Ils vont vous terroriser, détruire votre vie, votre avenir. Détruire, ils savent tout. Ils ont tous les secrets, ils maîtrisent tout. Pour rien. Il n'y a pas de raison, ils vous détruisent. Et vous ne voulez pas qu'on combat les sorciers.
Je l'ai fait chez toi. Allez. Tu m'attends, lâche-la. Le feu. Le feu. C'est ta fille? Tu sais qu'elle t'a attachée? Elle t'a déjà dit ça? Non? Le feu sur toi. Au nom de Jésus, je détruis ton pouvoir. Lâche-la. Lâche-la. Feu. Maintenant, là, c'est les enfants qui sont des dents forts. Elle a fini comme ça. C'est fini, là. Bissap. Ton sang devient comme Bissap. Elle va boire comme Bissap. Tu maigris seulement, c'est ta tête, ce qu'elle a. Je ne sais pas. Monsieur, vous avez quoi? Anémie sévère. Sorcier, attends de boire ton sang. C'est cela que ne mettez pas mon tête partout. Il y a des gens partout, mais mettez. Vous regardez ça, vous mettez votre tête là-bas. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Feu! Je détruis ton pouvoir. Je détruis ton pouvoir. Tu m'entends? Lâche-la. 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 Je détruis ton pouvoir au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Tu veux changer maintenant, toi. Madame, tu veux changer, vous voulez changer. Vous voulez changer. Vous avez rajeuni un peu. Votre femme a rajeuni. Votre femme a rajeuni, hein. Tu n'y es pas, merci. Le mariage, là, c'est le meilleur et le pire des temps. Il y a pire là pour attraper sa fille. Comme ça. Ah, comme ça. Tu dormais dans le lit, tu ne savais pas. Maintenant, tu sais, il faut gérer ça. C'est le meilleur et le pire. Chaud! Condamne tes œuvres et tu lâches sa vie. Tu lâches sa vie. Tu m'attends? Tu lâches sa vie. Au nom de Jésus. 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 Lâche-la. J'ai détruit le pouvoir du transant. Toi, dragon, je détruis ton pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Il fait quelle heure? 13 à moins 10. Okay. Allez, arrêtez la dialogue. Je vais commencer à recevoir. Oui, c'est maman qui m'a donné. I was initiated by my mother. C'est moi qui commence. C'est maman qui m'a donné ce salaire. Il était malade et j'ai occupé de lui. C'est ça, un jour, il dit, il faut prendre mes bagages là pour me donner. J'ai pris les bagages là pour lui donner. Il dit, il y a quelque chose aussi, ma petite sœur qui est au champ pour venir, il faut lui donner. C'est ça, sa petite sœur qui était au champ pour venir, je l'ai donné, il dit, il ne prend pas, et il prend ça pour garder. C'est ça, j'ai pris ça pour garder.
L'endemain, j'ai dit ça à ma grand-sœur, j'ai dit, ah, maman m'a donné le cachet de verre. Il dit, c'est sonnerie. J'ai dit, ah, je ne sais pas, j'ai déjà touché ça. Donc ça, on n'a rien dit. Finira est fini maintenant. Je suis parti faire ces choses encore. Je suis parti, j'ai ouvert le bagage là. Il n'y a pas pris. Je suis là-dedans, le camarade là-dedans. Donc c'est ça, un jour, les gens ils m'ont venu me soulever pour partir. Et tout l'a arrivé sur toi. Et ce que ta main t'a donné là, tout l'a arrivé avec toi. Il dit, ah, quel tour? Il dit, allons là-bas, si tu es arrivé là-bas, tu vas connaître ça. Donc j'ai arrivé là-bas, il m'a donné vient là aussi. J'ai mangé. Quand j'ai mangé ça maintenant, moi après j'ai commencé pour faire pour moi. Now, she gave me a medicine that I touched, and since that period, I have been initiated. J'ai raté ma fille. I killed 10 persons. T'as tué quand même? How many? 10. Non, tu jouais moi. So you were playing with me? Je joue pas, papa. So you were joking with me? Papa, je joue pas. C'est bien, hein? Je dis, je joue pas avec toi, papa. Les sorciers. Vraiment, vos bouches là, ça vous tue. Hier, j'ai demandé, tu dis 6. Yesterday, people know the truth. How many persons came? She said six. Les premiers à jurer là, c'est les sorciers. First people to swear. Tu vois qui craint de Dieu s'en fiche. Ah which? Tu vois qui craint de Dieu? Tu es le premier à jurer. Aujourd'hui, c'est l'année 10. First to swear. C'est l'année 10. Then today you say 10. C'est depuis 6. Not 6. What is it 6? Why did you say 6? I was afraid. Est-ce que tu connais les gens qui t'ont tué et tu as peur? Tu ne connais pas. Donc, je ne connais pas. I don't know those who have kids. Hein? Donc, je disais la vérité. So, was I? Je dis t'as tué 10. Il dit non, t'as tué 6. Il dit t'as tué 10. Il dit t'as tué 6. Je te regarde. Ok. On t'écoute. We are listening to you. Quand j'ai gâté ma fille. Non, tu es là. J'ai tué 10. I killed 10 persons. Ah, tu connais un fellow? Yao. Kosia. Kwasi. Yao, Kosia, Kwasi. Afwa. Afwa. Non, maman. Comment on fait pour tuer? J'ai tapé son dos. Et puis il a tombé. Et puis j'ai soulevé une chose. I did his back. Comme à fin. Puis j'ai retraité. And I saw him like a cockroach. Tu as mangé ça? J'ai mangé tête avec elle. Quelle sauce? And I killed him like an animal. And what I preferred was the heart and the head. The two. Allons-y. The second. Ta face à tête à trois. Tu dis pas le nom. Yao. Yao, là, c'est l'enfant de qui? C'est mon frère. My brother. Premier, c'est qui? Tous, c'est mes parents. Non, premier, dis le nom. Premier. The first, I killed. Premier, j'ai dit. Yawa. Yawa, c'est qui? C'est ma sœur. My sister. Tu l'as tué. The first one, that I killed. Yao. C'est ton frère. Yao is my brother. Tu as mangé. Deuxième, troisième. The first? Yeah, to you. Son nom? Yao. Yao. Pourquoi les noms, les mêmes noms comme ça? C'est pas Yao. Yao. Combien?
J'ai tué, j'ai mangé. Deuxième encore. J'ai tué un quatre cobras. The fourth cobra. J'ai tué lui encore. Mais qui comme là? C'est mon frère. My brother. J'ai tué lui. J'ai mangé tête avec elle. He had a heart. C'est tout là. It's very good. When you eat. C'est ça? Et votre petit maman. Il s'appelle Kosia. Kosia. Ma tante. My aunt. Cinquième. Il s'appelle Kosia. Sixième. The sixième. C'est Eugénie. C'est qui? C'est l'enfant de mon petit frère. Tu as mangé ça? The daughter of my junior brother. Oui, j'ai mangé pain. Heart to the septième, c'est mon frère encore. Ça s'appelle Pagou. My brother is Pagou. I killed him. J'ai mangé pain. I ate. He had the ox. Ah, encore. Ça s'appelle Théa. J'ai tué lui. J'ai mangé pain. Avec tête. Ça fait 8. Reste deux. À fois, j'ai tué, j'ai mangé tête avec elle. Voici, j'ai tué, j'ai mangé tête avec tête. Tu as gâté qui? C'est ma fille. Who's my petite? Les enfants de ma sœur. My daughter and the children of ma my fille. Elder sister. Ma fille. My daughter. Elle a fait. Et puis, il se promène pour chercher garçon. Moi-même encore la nuit. Je vois ma femme. Ah bon? So that she can become a prostitute. She's my wife. When I touch my leg, il français, I can become a man. Quand il est tape la tête, c'est tu fais sortir Kiki? Hein? Oui, papa. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Madame? Non, comment tu fais? How do you manage? Trois fois. Tu tapes quoi? I can type my way. Not every day. Tu laisses combien de jours? Tu fais combien de jours à la semaine? How many days can you have a week? C'est dangereux, hein? Elle a trois jours de repos. C'est sept jours dans la semaine. Du lundi au dimanche, elle a sept jours. 3 days of rest. Elle a trois jours de repos. C'est dangereux, hein? Moi, vous dormez, vous avez l'impression, peut-être de faire les rapports, le rêve, c'est ça la sorcellerie. When you sleep, you have the impression that you have sexual intercourse. Tu as fait quoi encore?
Et puis, il a chié pour frotter son corps. Et puis, viens, on va prier une dernière fois pour toi, à cause des boutons là. Et puis, mon père est sorti sur son corps. Allez, bien. Bon, ça nous fait pas rire. Au contraire, on a plus pitié, c'est la miséricorde. On a plus pitié parce que du coup, tu as retrouvé ta propre mère à imposer une vie. Bon, attends, on va voir tes boutons là. Les boutons. En sorcellerie. Mettons les bras. La face sur les bras aussi. Oh, des démons. Ah, des démons. To give her the sickness. Comment tu fais? J'ai appelé son nom trois fois. Hein? Aussi, vous pouvez en ici? J'ai appelé son nom trois fois. Her name, three times. J'ai appelé son nom trois fois. Mm. Qui t'a fait voir? Chier. Yes, he did. Yes, he is. I took the photo. Garbage, human garbage. To put her in the body. Yes, he is encore. He destroyed her life. Rien n'est pas le Jésus. Cette vie gâchée. Dieu veut. God is going to repair your life. Il est venu même pour délivrer les gens comme toi. Moi, ma vie était gâchée. My life was. Je ne croyais même pas qu'il allait faire encore 2 ans et tout ça. I didn't think that I could spend 2 more. Je n'ai plus espoir à la vie. I didn't get faith. Quand j'ai rencontré Jésus, il m'a délivré. But when I met Jesus, today I'm delivered. I'm preaching. On peut partir de zéro, rien, pour rien. We can start from the beginning, from a small experience. Ça fait partie de ton histoire. Chaque to have a good story. Dieu peut aujourd'hui même te délivrer. God can deliver you today. Et puis positionner ta vie. And guide your life. C'est comme ça. Not the way. Si ne voulait pas te délivrer, on n'allait pas arriver jusqu'à là. If he didn't want to deliver you. We cannot break this. Voir dans cette action de délivrance que Dieu t'accorde. This action of deliverance. C'est pas la réalité qu'on voit. Elle est Dieu qui t'a commencé à. That God is giving you. On dirait Dieu de charge, mon ami. Il est. Moi, c'est tenu debout. Pardonnez. Ça va vous permettre de vous défendre un peu. Quand c'est comme ça, là, tu ne te retrouves plus. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de truc, tu ne te retrouves plus. Tout ça. Ça va? Toi, tu vas. Divi, ouais, foutu. Je comprends. C'est un moyen de foutu. Tu n'as pas assez de force. C'est ça, non? Tu ne réponds pas. La forme, hein? Hmm? On va dire. Ok. Feu! Lâche-la! Si vous voyez un sorcier, vous ne passez pas cette délivrance, ne croyez pas qu'il soit délivré. Il faut forcément ça. Une fois le démon est parti, c'est fini. C'est fini. Lâche-la. C'est vrai qu'hier on parlait, ce soir on a dit, après les aveux, il y a des signes de délivrance. Lâche-la. Va. Va-t'en. Va-t'en. Quitte sa vie. Feu! 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 Va! Quitte sa vie. Quitte. Feu. Allez. Feu. Allez. Ce sont les démons. Hein. C'est les démons de la sorcellerie qui sont en train de se manifester. Feu. Elle va beau parler, faire des aveux, mais s'il n'est pas délivré. Non, les démons sont encore là. Feu! C'est ça qui ne vous arrêtez pas au stade des aveux. Hein, les gens ont parlé, ok, il a parlé, mais il n'est pas délivré. Quitte sa vie. Va-t'en. Va! Feu! 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 Quand vous voyez, les sorciers disent non, c'était plus fort que moi. C'est pas moi, c'est les démons. C'est vrai, effectivement, les démons les possèdent. Feu!
feu, allez, feu, feu, allez, feu, 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 allez. Esprit de la sorcellerie, sors, 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 sors. Comment toi-même tu es là et puis tu couches avec ta profille? Comment tu peux coucher avec ta profille? Comment tu peux donner, n'est-ce pas, des maladies à ta profille? Comment tu peux détruire le commerce des gens? Tu es jusqu'à 10 personnes. Feu! Allez, quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Nom de Jésus. Le feu. Le feu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Effectivement, quand un démon, quand un sorcier finit de parler, quand vous touchez, le démon se manifeste. Mais quand le démon, la personne n'a pas tout dit, il sera difficile de chasser le démon. Voilà. Sors. Va. 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 Allez, feu. Allez, feu. Hey, allez, feu. 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 Sors. Feu. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Qu'est-ce que j'avais parlé hier? On tout dit là. Feu. Feu. Lâche-la. Quitte sa vie. C'est un ordre. Va-t'en. Va-t'en. Tu vas quitter sa vie. La, madame, vous avez vu, votre enfant est venu? Oui, papa. La fille est venue, non, je ne pas la dame. Non. Elle n'est pas encore, encore en route. Elle arrive, c'est ça? Elle arrive. Le feu. Le feu. Feu. Lâche-la. Madame, venez. Le feu. Lâche-la. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps au nom de Jésus. Feu. Allez. Comment vous sentez qu'il y a quelque chose qui explique très bien. Parce que souvent les gens demandent, est-ce que quand il y a pas de première hurle, qui met une, c'est pas le même problème. C'est toi qui as crié ça. Feu. Feu. Ça va vous voulez être délivré? Venez. Vous ne sentez pas qu'il y a des choses en vous. Monsieur, monsieur le chat. Le tigre. Parce que la nuit tu es tigre. Et la journée tu es chat. C'est ça? Venez, madame. Feu! Voilà, j'ai demandé au pasteur, on va aller rapidement, soulever, aller là-bas. Pasteur Serge, occupe-toi de sa délivrance. Comment ça, c'est un peu rapide. Marché, tu dis ta mairie, non? Tu dis, on peut débrouiller, allez, débrouille. Je remercie Dieu, et puis papa. Avant, j'étais sorcier. Hein? J'étais sorcier. Je fuyais les gens. Tu venais comme moi avant. Tout ça, c'est important, ce témoignage. Mais ce témoignage. Je mariais les gens. Hein? Je fuyais les gens. Et puis tu faisais quoi après? Quand tu dis, tu fais quoi? Hein? Je mange. Prends le micro, t'as dit, allô, le micro n'a pas quoi. Je mange. Tu mangeais. Eh, quelle sauce avant? Tout sauce. Ah, aubergine. Ah, tu. Aubergine. Mais grâce à Dieu aujourd'hui, papa, avant là, je ne dors pas. Tu faisais quoi? Tu faisais travail la nuit? Je ne dors pas. Tu faisais quoi? Tu ne dors pas, tu faisais quoi? Pourquoi tu ne dors pas? Dis-nous ce témoignage. J'ai tué les gens. Non, la nuit, pendant qu'on rompe, on dort, on rompe. Grille-toi. Tu travailles, tu sors. Tu vas où? Tu partais où avant? Allez travailler. Non, grâce à toi maintenant. La grâce à Dieu. Grâce à Dieu maintenant. Dieu je suis venu ici. Ma grâce est de venir, j'ai dit, je ne viens pas. Hein? Ma grâce pourquoi? À Dieu. Il a dit, je ne suis pas sorcier. Hein? Je ne viens pas ici, on ne fait pas la vie même. Mais il a dit, je suis venu, je suis sorcier. Mais avant de venir, tu savais qu'il était sorcier, mais tu as menti. Je ne viens pas. Si on ne fait pas la vie. Mais arrivé ici maintenant, Dieu m'a délivré. Bien même. Je dors bien même. La nuit, je dors bien. La journée, je dors bien. Tu t'envoles pas.
essence, aubergine. Quelqu'un ne vient pas derrière moi, je ne sors pas, je dors bien, mais je suis à l'aise. Tu ne peux pas dire à crédit, il faut payer. Non. C'est vrai. Quelqu'un ne vient pas derrière moi, je dors bien. Madame, tu as mangé pour moi, il faut payer crédit. Non, quelqu'un ne vient pas. Jésus a tout payé, voilà. Maintenant, tu dors bien. Je dors bien même. Bien même. Bien. Rond. Si tu as 4 heures, tu pries. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame fortement Jésus. Tu avais tué combien de personnes avant? 10 personnes. Tu les as mangées bien et bien. Tu as gâté la vie des gens. Comment tu vois ça maintenant? Maintenant ça va, ma fille a même appelé, dit ça va. Ça va, non, comment tu vois? Tu regrettes toi? Je regrette. Ce que tu as fait avant là, tu regrettes. Dieu aussi t'a pardonné. Amen. C'est pour dire que sorcier peut changer. J'ai changé même. Hein? Comment tu as changé? Ce que j'ai fait là, je ne fais pas. Mon cœur l'a ouvert maintenant. Avant je ne connais pas Dieu, maintenant je connais Dieu. Me peu homem, senhor, ninho caô. Me peu homem, senhor, ninho caô. Me peu homem, senhor, ninho caô. C'est ça, tu as gâté la vie de ta nièce. C'est ma fille. Même micro. Tu as dit, allô, ça parle. C'est ma fille. À cause de... Quand je l'appelle. Pourquoi? Elle a demandé de payer quand je l'appelle pour moi, je l'ai fait pour moi. Hein? Il n'a pas payé. Et puis? Elle a gâté. Parle fort, c'est témoignage. Et puis, elle a gâté. Comment tu as fait? J'ai dit, si il gagne l'argent, il ne faut pas que ça reste dans sa main. Comment tu as fait? Tu t'as mis par soi là. L'argent la passe dedans. Quand l'argent la dépense, maintenant tu es délivré. Moi j'ai été payé congélateur. Je ne te rejette pas. Moi je ne te rejette pas. Tu es là pour combien de temps? Ça dépend, c'est ça? Les jours que tu me donnes là-haut. C'est toi qui veux rester ici. Ok. On va te libérer en début de juillet. Avant de partir, je vais te donner un compte. J'allais jeter ça jour 9. Et puis te donner, tu allais faire ton commerce. Dieu t'a pardonné, nous sommes du pardon. On ne peut plus te condamner avec ton passé. Tu as changé. J'ai changé vraiment. Ah oui, je sais que tu as changé. Parce que je te voyais dans ces oublous là. Tu as changé. Ça veut dire dans la chanson.
Enfant de Dieu, ce que tu as commencé là, il faut aller jusqu'au bout.